merci à la librairie du Divan de nous recevoir ce soir. Merci à vous d'être présents à cette heure tardive. Ouais. Et merci à Rosie, à Marcel, et merci à Yves Torres qui s'est occupé du livre et qui continue à s'occuper du livre et qui s'occupe aussi des livres de l'éditeur Elisab, qui est une jeune éditrice tunisienne qui travaille à Tunis dans des conditions qui ne sont peut-être pas si faciles, mais elle continue vaillamment, courageusement, et elle fait de beaux livres. Vous allez les voir, vous pouvez les feuilleter, vous verrez, ce sont de beaux livres de qualité. Et je connais les éditeurs du Maghreb, c'est la meilleure. C'est la meilleure, et vous en aurez les preuves quand vous irez au Maghreb. Alors, ce recueil de Le Pays Natal est un recueil que j'ai dirigé, et j'ai fait appel à 17 auteurs de la Méditerranée. J'ai un faible pour la Méditerranée. J'aime la Méditerranée. Tout ce que nous fait un rapport avec la Méditerranée, peut-être parce que je suis née du côté de la Méditerranée aussi. Je pense que ça va voir. C'est une des raisons. Et les 17 auteurs sont des auteurs d'une Méditerranée qui a été cosmopolite et qui ne l'est plus, et qui l'est de moins en moins, puisqu'aujourd'hui, vous connaissez la situation des pays de la Méditerranée, et en particulier des pays musulmans. Alors, d'ailleurs, les auteurs ne sont pas forcément uniquement musulmans. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des agnostiques, il y a des musulmans aussi. Et la Méditerranée, on sait bien que l'histoire de cette Méditerranée a été conflictuelle, et que les guerres de décolonisation, les guerres civiles, les guerres de religion, les guerres territoriales, qui existent encore aujourd'hui, hein, on le sait, ont fait qu'il y a eu des exils, et des vagues d'exils, à travers, en particulier, le XXe siècle. Hein, en particulier le XXe siècle, et encore aujourd'hui. Et donc, cet exil a été contraint, il a été choisi, et les auteurs auxquels je fais appel sont des écrivains en exil. Alors, depuis le Maroc, Marcel est né au Maroc, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Liban, la Palestine, la Turquie. Et Rosie, j'ai pas fait exprès, mais on est du Maroc jusqu'à la Turquie. Et donc le pays natal, finalement, a été le pays de l'enfance et de l'adolescence. Hein, parce que souvent, les auteurs sont partis assez... Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne ce recueil, ils n'étaient pas dans la petite enfance. Ils ont eu le temps de connaître le pays natal, de le vivre et d'écrire là-dessus, et l'envie d'écrire là-dessus. Alors, je vais présenter rapidement Rosie et Marcel. Donc, Rosie Nazel-Puech, à ma droite, née à Istanbul, une juive d'Istanbul, on peut dire comme ça ? Tout à fait. Oui. Tu as fait des études de philo et de lettres en France, puis tu as passé 10 ans comme professeur en Israël. Tu es revenue en France avec quelle année à peu près ? 84. Et tu traduis aujourd'hui la littérature israélienne, de l'hébreu, et tu diriges les lettres hébraïques chez Actes Sud. Et tu traduis aussi, dernièrement, pas depuis longtemps, le turc, avec un très grand auteur de nouvelles qui s'appelle, tu dis le nom parce que je le dis mal, Saïd Faik, dont il sortira très bientôt un recueil, et j'espère que vous l'aurez dans votre librairie, parce qu'il est superbe. Et tous ceux qui ont été publiés d'ailleurs chez Bleu-Auto, hein, c'est Bleu-Auto qui les publie. C'est le troisième ou... Troisième. Troisième. Enfin,
c'est quelqu'un d'intéressant et qui représente cette Méditerranée cosmopolite qui a disparu. Alors, tu as publié aussi Anna, une histoire française, Suite byzantine, des fictions, sur le tour. Et tu as participé à une enfance juive en Méditerranée musulmane qui a été publiée l'année dernière en mars. Marcel Benabou a aussi collaboré à une enfance juive en Méditerranée musulmane. Et aussi au précédent sur la mer. Et au précédent sur la mer, et puis encore. Une longue collaboration. Oui. Et alors, tu es né à Meknès, et puis tu es venu à Paris en 1956. 56. C'est ça. Mm-hmm. Et tu es professeur émérite d'histoire ancienne. Alors, l'histoire ancienne, c'est quoi? C'est l'histoire romaine. Oui, moi, j'ai enseigné pendant 32 ans l'histoire de la civilisation romaine à l'université Paris 7. Paris 7 Diderot, ça s'appelle Paris 7 Diderot maintenant. À l'époque, elle ne s'appelait que Paris 7. Ouais. Donc, tu es membre de l'UIPO. Tu dis deux mots, hein, pas trop. Pour l'ouvroir de littérature potentielle. Littérature potentielle, créée en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Et qui existe encore. Et qui est actif. Et qui est très actif, et dont je suis le secrétaire définitivement provisoire. Oui. Alors, de nombreuses publications historiques, et puis des publications littéraires, Au seuil, Jacob, Menahem et Mimoun, une épopée familiale, une anthologie de l'Oulipo chez Gallimard, et d'autres que tu vas publier probablement. Mais celui auquel je tiens le plus, c'est quand même pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Voilà, il y a celui-là aussi.